Greetings. My name is Dennis Brott. I'm the founder and artistic director of the Montreal Chamber Music Festival. And it's with great pride that we present this series of five video concerts featuring the finest young talents from Quebec. You will be hearing 16 instrumentalists playing violin, viola, and cello, all playing on instruments belonging to Roger Dubois, who has a collection really like none other in this country, certainly, and among the finest in the world. And due to his generosity and interest in developing young talent, he loans these instruments to these wonderful young artists. So they have the opportunity of playing on instruments made by great masters of the 17th, 18th, 19th century, instruments many from Italy by luthiers such as Stradivarius and Guarnerius. The whole really creates an experience like you have never seen or heard, and I can guarantee you performances that will be compelling. Each program lasts about 1 hour, and each includes interviews, sometimes two interviews, with the artists that are performing. I hope you enjoy these wonderful concerts, all in homage to Roger Dubois, who has this incredible collection of instruments on loan to the finest young talents from Quebec. Enjoy the concert. Alors, Abby, bienvenue. Merci. Quel plaisir de t'avoir avec plaisir nous. Plaisir partagé. J'ai toutes sortes de bons souvenirs de toi dans ma classe de musique de chambre, les concerts qu'on a faits. Il y en a eu plusieurs, oui. Et en effet, l'œuvre qu'on joue dans le cadre de ce programme, La Relève de chez nous, on a joué ensemble à La Minerve, dans le Nord, proche à Mont-Tremblant. Oui, ça fait 2 ans de tout ça, si je me rappelle bien, oui. Mais j'ai aussi des très, très bons souvenirs de toi et ton énergie, ton enthousiasme. Ça prend ça pour rendre, pour injecter de l'énergie dans la musique. Oui. Et j'aimerais te parler un peu comment tu vois ton carrière, ton avenir. Tu es diplômé du conservatoire, tu es maintenant à Rice University en Texas. Oui. Et c'était une année, j'imagine, assez difficile. Parle-nous un peu de tout ce qui s'est passé avec toi depuis que tu as quitté le conservatoire. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, moi, j'étais vraiment chanceuse de pouvoir aller étudier à l'étranger, surtout en période de pandémie, parce que je sais qu'il y a des écoles comme à McGill ou même ici au conservatoire que ça a été extrêmement difficile. Plusieurs cours se faisaient en ligne, mais en étant là-bas, aux États-Unis, justement au Texas, Dieu sait que là-bas... Tout ce qui est COVID, ils ne faisaient pas très attention à ça. Donc, j'ai eu la chance d'avoir tous mes cours en ligne. J'ai fait de l'orchestre, de la musique de chambre, j'ai fait du solo. Donc, j'ai été vraiment extrêmement chanceuse de pouvoir être là-bas. Ça a été, malgré tout, une expérience vraiment positive. Puis, j'ai pu rencontrer tellement de gens qui viennent de partout. Des futurs collègues, possiblement. J'ai joué de la musique de chambre avec des personnes très talentueuses. J'ai été vraiment très chanceuse de pouvoir être là-bas. Puis pour l'avenir, mon Dieu, je ne sais pas ce que je veux faire. J'aime de tout. J'aime faire du solo, de la musique de chambre, de l'orchestre. Puis je pense que pour l'instant, je veux juste rester à l'école et continuer à pouvoir profiter de faire toutes ces activités-là. Mais c'est ça que tu dois faire à cette étape de ta vie, c'est sûr. C'est sûr et certain. Ouais, et tu as encore une autre année. Oui, il me reste encore une année. Et après, peut-être tu fais des stages ailleurs, on sait jamais. Oui, ben c'est ça, j'envisage de faire encore des auditions pour aller faire un autre diplôme. On aime ça. Tu seras toujours le bienvenu au Festival de musique de chambre. Ah, ben écoute, c'est tellement un plaisir de pouvoir revenir ici, à Montréal. Après, tu sais, même juste un an, je me suis ennuyée de travailler avec des personnes, juste même avec la langue en français. Oui. D'être chez nous, partager la musique dans un festival de musique de chambre avec vous aussi, de qu'on puisse jouer ensemble, retravailler avec mes amis. Ça a été vraiment une très belle semaine qu'on a eue, puis on a partagé des très beaux moments aussi. Super.
la raison principale derrière mon idée de faire cette série La Relève de chez nous, c'était de rendre hommage à quelqu'un vraiment unique, unique pour nous, les musiciens surtout, M. Roger Dubois, parce que, bien sûr, la collection d'instruments qu'il a créée est presque comme nul autre. Oui, c'est exceptionnel. Et c'est unique dans le sens que c'est réservé plutôt pour les Québécoises et Québécois. Oui. Donc, ça veut dire que les artistes de chez nous ont une opportunité extraordinaire. Unique comme ça n'existe pas ailleurs. Oui. Parle-nous un peu de votre violon. C'est quoi le violon sur lequel tu joues et comment vraiment ça a changé ta vie? Oui, alors moi j'ai la grande chance de jouer sur un Jean-Baptiste Vion 1858, puis sur un Archet Sartori. Donc, on va dire que je suis en business. Mais, une complicité française. Oui, c'est ça, voilà. Puis, mon Dieu, ça, oui, je peux dire que ça a changé ma vie. Tout est plus facile quand on a un instrument de cette qualité-là. T'sais, on est comme des athlètes, nous autres, ça nous prend du bon matériel pour pouvoir performer. Équipement. Ben c'est ça, équipement. Puis je veux dire, un musicien, c'est la même chose. Si tu n'as pas un bon instrument, c'est plus difficile de bien performer. Tout est plus difficile de faire sortir un beau son, de jouer vite. Tout est plus difficile, tiens. Puis, c'est ça, quand je suis arrivée avec ce violon-là, ben déjà juste la qualité sonore était incroyable. Tout était plus facile, le son était très rond, ça s'entend, c'est de qualité. Puis, je pense que déjà, l'instrument avait un caractère. Puis, quand moi, je suis arrivée sur ce violon-là, ça a comme matché vraiment. Oui, c'est ça. Puis, un point très intéressant parce que les gens souvent pensent que si ça porte le nom comme Stradivarius ou Goffriller ou n'importe de qui, c'est comme une marque d'assurer que l'instrument sera la meilleure. Et c'est pas du tout le cas. Ben c'est ça, l'instrumentiste a la moitié du travail à faire. Mm-hmm. C'est pas juste l'instrument, même si, mettons, c'est un Stradivarius, ça veut pas dire que dans les mains de quelqu'un, ça va bien fonctionner. Mais dans les mains de quelqu'un d'autre, par exemple, ça peut être le match parfait. Oui, ben c'est un peu comme des relations interpersonnelles. Ben oui, certain. Parce que c'est sûr et certain, on s'entend mieux avec certaines que d'autres. Et, c'est notre c'est quand même une relation très intime. Et, et lorsqu'on est avec notre instrument, l'instrument doit nous encourager, j'allais dire forcer, mais ce n'est pas forcer, aller nous encourager, tirer de nous notre meilleure qualité, notre meilleur effort. Totalement. Là, c'est une toute nouvelle relation qu'on vient de débuter. Puis, je pense qu'on apprend encore à s'apprivoiser. Ça va prendre encore un an. Tu sais, à tous les jours, j'apprends des choses nouvelles. Bien sûr. Puis, c'est le fun de pouvoir évoluer en tant que personne et instrumentiste avec un instrument de cette qualité-là. Monsieur Dubois, un grand merci. Je sais que ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ça fait à peine 2 ans. C'est Marianne Dugal qui nous a présenté la première fois. Puis, je me souviens, le premier instrument que vous m'aviez présenté, c'est un excellent violon. Mais quand vous m'avez présenté celui-là, ça a été, ça a été l'amour fou, direct en partant. Donc, je voulais vous remercier. Honnêtement, vous êtes une personne très généreuse. Puis, j'ai l'incroyable chance de jouer avec cet instrument-là. Alors, un grand merci à vous.
Thank you.
Ronon, je te connais depuis ton adolescence. Tu avais exact. Quoi, 12 ans, 13 ans? C'est exact, 12, 13 ans. On s'est rencontrés. Oui, oui. Et on a fait du chemin ensemble. Oui. Tu es devenu mon élève. Mm-hmm. Et finalement, tu es diplômé du conservatoire. Et tu continues tes études à l'automne. Bien sûr, le choix d'un instrument est toujours quelque chose de très important pour un musicien, surtout dans le cheminement de leur carrière, leur avenir. J'aimerais savoir, pour toi, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as eu cette magnifique Galliano qui appartient à la collection Canimex, qui vous a été prêtée par M. Dubois, qui est le patron de Canimex et un mécène pour tous les musiciens qui vont jouer dans cette série La Relève de chez nous. Ça veut dire quoi exactement pour toi d'avoir la chance, l'opportunité de jouer sur cet instrument? C'est un très, très bel instrument avec une richesse sonore de basse. La première fois que je l'ai eu, moi, je me rappelle, j'ai joué, oh mon Dieu, belle sonorité, belle puissance, tout. Ça m'a pris énormément d'adaptation à revisiter comment bien utiliser le bras d'archet, chose que je fais encore aujourd'hui, mais vraiment développer une nouvelle écoute, passer d'autres sonorités. Le privilège de jouer sur un instrument aussi âgé que ça, c'est des sonorités nouvelles, donc c'est comme goûter à quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. C'est comme la première fois qu'on goûte à du bon vin, par exemple, quand on est plus jeune. On n'est pas trop certain, on n'aime pas. C'est des choses qu'on ne sait pas, donc c'est comme... Et là, au fil du temps, on essaie donc, par rapport à la disposition, par rapport à combien de points on met dessus, mais c'est vraiment... ça m'a ouvert une porte à des possibilités. Moi, je vois comme une boîte de Prismacolor, donc pas juste un peu de bleu, de jaune, d'orange, mais bleu ciel, bleu turquoise, jaune canari... ce genre de palette de couleurs là. Et bien sûr, on n'a plus d'excuses. En effet, un instrument peut nous aider si on sait comment tirer tout ce que l'instrument a à nous offrir, mais ce n'est pas évident. Non. Et un violoncelle est différent l'un de l'autre, même parmi les grands instruments, ils sont extrêmement différents. Je sais que tu as développé un intérêt dans la luthierie, dans les archets, dans les différentes violoncelles. Tu as toujours été extrêmement curieux par rapport à tout ça. J'aimerais que tu nous parles un peu d'où ça vient, cette curiosité, et si, par exemple, cet instrument sur lequel tu joues, cette Galliano, est-ce que ça t'offre toujours des découvertes? Est-ce qu'il y a des choses que tu continues de trouver avec cet instrument? Absolument. Tous les jours, une note. J'essaie. Au moins une note de plus tous les jours. Mais oui, je veux dire, l'intérêt pour la lutherie, l'intérêt pour... on regarde Strad, Stradivarius, Goffreller, Montagnana, on regarde tous ces grands maîtres luthiers comme... des fois presque vénérés comme des demi-dieux, alors qu'on se rappelle c'était juste des saints mortels. Donc des fois je me pose la question, comment ils ont fait? Ils ont dû essayer, échouer. Donc c'est comme une partie de leur propre personne pris dans l'instrument. Donc c'est sûr, il y a la beauté de l'instrument, il y a la personnalité, que ce soit la table, que ce soit la volute de l'instrument, peu importe s'il s'agit d'un violon. C'est toutes ces caractéristiques-là. Même chose pour l'archet, les archets de François-Xavier Tourte, de Dominique Pécat. C'est à quel point ils ont leur personnalité d'imprégner dans ce qu'ils ont fait. Parce que, veut pas, ils ont dû expérimenter et faire des choses, des archets, des violoncelles. Et ça en rend même compte, tout seul, l'instrument est arrivé. Donc, c'est vraiment... c'est un truc d'avoir la chance de jouer dessus, mais moi, l'intérêt est arrivé parce que je voulais en savoir davantage. Parce que si on ne sait pas, moi, je trouverais ça dommage. Surtout quand quelque chose de 200-300 Mais un instrument, quand même, c'est un outil. C'est un outil. Mais même à ça, c'est aussi une œuvre d'art.
Si on regarde la tête d'une violoncelle, ça aurait pu être un crochet. Mais... Ça ne sert à rien, n'est-ce pas, comme pour le son. Mais chaque tête d'instrument est vraiment le sort de profil, l'étampe du luthier qu'il a fait. Vrai. Il n'y a pas deux qui sont pareils. On peut reconnaître le luthierie de Galliano, par exemple, en regardant la tête de l'instrument, juste la tête de l'instrument. Ça m'intéresse beaucoup ce que tu vas faire dans l'avenir. Tu es terminé, tu as terminé. Bien sûr, il y avait le COVID qui a arrêté tout le monde dans leurs traces, mais pour l'avenir, c'est quoi tes plans pour cet automne et pour vos études dans l'avenir? Si les choses continuent de se dérouler comme c'est en train de se dérouler, je vais passer un peu de temps à Toronto l'année prochaine dans le programme Dewey Banks Family Fellowship. An international residency du Glenn Gould School of Music à Toronto, que j'ai été très, très privilégié d'avoir été sélectionné parmi les 5 qui sélectionnent à chaque année. Et ensuite, les options sont ouvertes, j'ai pas encore... c'est pas moi qui décide, j'applique et... Bien sûr, il y a des choses qui sont dans nos mains, et des choses qui sont la chance, la vie qui va se dérouler. Si tu avais quelque chose à dire à M. Dubois, qui t'a fourni cette chance, qui t'a donné cette opportunité de jouer sur cet instrument pour les dernières 4 années et on espère pour plus long, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Un gros, gros, gros merci, première des choses, ça c'est certain. Aussi un gros merci pour toutes ces belles rencontres. Pour nous, les musiciens qui bénéficions de ces prêts, quand on rencontre un autre musicien, même si on ne le connaît pas ou on le connaît d'un nom, puis il joue son instrument, M. Dubois, on se sent automatiquement rapproché. Donc, un gros merci pour moi personnellement pour ce prêt d'un magnifique violoncelle italien. Un gros merci pour tout ce qu'il a fait, je pense qu'on peut dire, au nom de tous les musiciens du Québec et aussi qui sont enracinés du Québec et qui sont au Japon, à LA, tout le monde qui est avec ça. Un gros merci pour cette aide et un appui absolument exceptionnel et primordial. Parce que pour nous, des instruments de cette qualité-là, malheureusement, c'est très difficile, c'est hors de prix de nos jours. Donc vraiment, et un gros merci à tous ses partenaires, son entreprise. Sans eux, avec qui, bien sûr, tout ça ne serait pas possible.
Thank you.
Thank you.